La légitimité de l'OTAN. On ne fait pas partie d'un groupement en particulier, c'est que plusieurs groupuscules activistes se sont réunis pour dénoncer l'OTAN, l'illégalité de l'OTAN. L'OTAN, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, s'est créé pour combattre le bloc soviétique et communiste. Le bloc soviétique n'existe plus. L'OTAN doit se trouver un nouvel ennemi. Nous ne voulons pas d'une Europe de la guerre, nous voulons d'une Europe de la paix, une Europe de solidarité, une Europe de la coopération. Donc à notre sens, l'OTAN n'a plus la légitimité d'exister. C'est pour ça que nous sommes là, que nous dénonçons l'OTAN et que nous dénonçons aussi la demande que 2% du PIB soit alloué à l'armement dans chaque pays. Les 2% doivent aller à l'éducation, les 2% doivent aller aux soins de santé et pas à l'armement. Nous voulons une Europe des coopérations, une Europe de la paix, pas une Europe de la guerre comme les États veulent nous donner. Thank you.